Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un semis de batavia de pierre de bénite. Donc je prépare mes petites alvéoles. Voilà. Ça va très vite, hein. C'est vraiment pas grand chose à faire. Hein. Voilà. J'enfonce tout ça, mais pas beaucoup. Pas trop fort. Tac. Je prends mes graines. Alors, oula. Les graines, ça va bien. J'en mets une au milieu de chaque alvéole. Bam. Bon, moi, je suis pas super regardant sur le milieu ou pas. J'essaye, mais bon. Je vais pas faire une jaunisse si ça y est pas. Mais tant qu'à faire, c'est mieux. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. C'est certainement mieux, on va dire. C'est plus joli. Bon, paf, ça je l'ai raté. Bam. Alors là, j'ai pas envie d'en mettre deux ou trois de... Parce que... Ce sera pas des plants que je repiquerai, ceux qui sont sur le numéraire. Parce que là, j'en fais toutes les semaines. Donc, j'ai pas envie d'en avoir de trop. Parce que pression perdue. Ah merde. Bon, pardon. Donc, c'est fait. L'excédent dans ma paume. Voilà, c'est rangé. Maintenant, tac, je tamise un petit peu du terreau, moi ordinaire. Hein. Je peux, mon terreau à semis n'est pas si fin. Moi, je ne veux pas investir des fortunes dans des bacs, enfin dans des sacs de terreau à 20 balles le truc. Là, moi, c'est hors de question. Donc, ça vaut ce que ça vaut. J'ai de l'ancien là que j'avais tamisé déjà. Je vais le remettre. Voilà. De toute façon, juste pour faire la première pousse, ça a besoin d'être léger, fin, mais ça n'a pas besoin de grand chose. Hein. Sachant que moi tout ça, c'est du mélanger. Déjà avec du sable qui a déjà été enrichi parce qu'il y a souvent eu des semis qui ont déjà été faits dedans. Donc c'est pas très pauvre quand même. Et jusqu'à maintenant, ben moi ça a toujours bien été pour faire mes semis. Hein. Donc je m'embête peut-être un petit peu à faire ça, mais mon jardin ne doit pas moyenner. Hein. Hop. On prend du premier tamisé et on retamise. Et j'aurai que du bon. J'ai tamisé fin, hein, ça doit être des mailles de 4, je pense, ou 3, peut-être même bien des mailles de 3. En plastique, j'avais pris un métal, il a rouillé au bout de 2 semaines, c'est pas la peine. Que ça s'est fait, ben, je vais tout bien lisser comme ça là. Et un coup d'eau. Alors généreux en eau, en tout cas pour le premier arrosage. Et puis après, ben voilà, j'avais arrêté de parler avec le bruit du limousin. Puis après, ben, je mets ça moi dans
j'ai un petit emplacement. Je mets ça à l'ombre. Pas à l'ombre. Pour vous, vous avez de la place en fait. Je mets ça là. Hop là. Et tout ça, ça attend là. Et puis voilà. Donc, on va en profiter pour faire un petit tour des semis de vent. Ça, c'est du repiquage de scarole. J'avais fait la même chose donc le 8 juin et là je les ai repiqués en pot. Là, ben, super long, mes sorties de courgettes. Super long, là, je vois que ça gonfle. Mais très très long, ben, ça viendra ce qu'il voudra. Ici, j'ai quelques salades déjà que j'avais semées semaine dernière. Donc là, de la fraisée, là, de la merveille d'hiver qui sort pas du tout. Je sais pas, mes graines sont peut-être pourries. La reine des glaces qui sort plutôt bien. Ici, on voit de la feuille de chêne rouge. Qui est assez joli aussi, qui a un peu plus d'une semaine. Là, de la roquette. Ça, c'est de la scarole que j'avais plantée, enfin semée, donc le 22 mai. Là, elle est belle, il faut que je la repique. Ça, c'est la même cargue, la même provenance que celle-là. Hein. Donc là, il est temps que je les remette en godet aussi. Et là, la récolte de saison du 7 juin. Vous voyez, je suis. Pour essayer d'avoir une production régulière. Et là, un pot de frisée qui doit avoir un mois et demi. Quoi. Donc, que j'ai appliqué là, je vais laisser pousser là et je la mangerai quand elle sera dedans. Voilà, messieurs, dames, à bientôt.